Manon Lebon, hyper concentrée au pied du mur de Budapest, opposée en huitième de finale à la Polonaise Kaluka, numéro 1 mondiale. La tamponnaise a le 12e chrono des qualifs. Et dès le départ, elle compte une infime avance, c'est très serré, rythmé. Mais au sommet, Manon Lebon touche en première, elle gagne en 7 secondes 06 et marque déjà des points très décisifs. En quart de finale, elle fait face à la chinoise Ding Yu. Et là encore, ça va grimper très très vite. Une légère avance pour la chinoise qui va toucher en première. Manon fait un meilleur chrono, 7 secondes 05, mais s'incline. Qu'importe sa 10e place au général, lui rapporte le ticket olympique pour les JO de Paris. Déjà le fait d'être en finale, c'était vraiment génial. Et en 8e, je me suis dit dans tous les cas, je suis là pour tout donner, on verra ce qui se passe. Et quand ça a buzzé vert, j'ai dit waouh. Maintenant on continue, on se remet dedans et on essaie d'aller encore plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as appris que t'allais au jeu? Alors j'ai pas compris même tout de suite, mais je pense qu'il y a dû avoir 3 personnes pour me le dire avant que je réalise que j'allais au jeu. Et beaucoup trop de choses. Je pense que j'ai même pas les émotions à associer à mon état actuel. Et c'est vrai que c'était juste... Je suis sonnée, je suis en mode « waouh, je vais au jeu ». Elle ira avec sa coéquipière tricolore Capucine Viglione. Celle-là, ouais. Et je pense qu'on réalise encore tellement pas.